Je me dis qu'on est dans une société du délire. Quand on voit les rayons des supermarchés avec tellement de propositions sous les yeux, on se dit c'est pas possible. C'est vraiment, on n'est pas du tout en lien avec avec la nature et ce qu'elle est en capacité de produire pour tout le monde. J'ai décidé d'acheter mes légumes dans une AMAP pour favoriser une agriculture paysanne. J'ai décidé de créer un achat groupé. On est environ une cinquantaine de personnes à se regrouper pour aller acheter ensemble auprès d'un paysan des grosses quantités, en fait, à plusieurs. Chacun apporte les contacts qu'il connaît en producteurs. On favorise dans nos choix des producteurs locaux et bio. On est directement en lien avec le producteur, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça me permet de moins en moins mettre les pieds dans ces immenses supermarchés, ces immenses parkings. Et du coup, ça favorise aussi mon bien-être en fait. Ça favorise du coup le fait de soutenir un paysan pas très loin de chez nous. Ça favorise le fait d'économiser 10 voitures en termes de déplacement et de ne faire qu'un seul déplacement. Ça favorise aussi le côté économique, c'est-à-dire qu'à plein, on peut aussi avoir des réductions en termes de prix, donc ce qui nous permet de manger sainement, de savoir d'où vient aussi d'où viennent ces produits et également de payer ça moins cher. Le fait d'avoir fait le choix aussi de rejoindre une AMAP, c'est de pouvoir de me nourrir sainement avec des produits, des légumes, des fruits qui n'ont pas reçu d'apport chimique. Donc je sais ce que je mange et je sais que ça participe à une meilleure santé, en tout cas pour moi. On n'est pas dans un décalage comme quand on va au supermarché, on peut avoir de tout, tout le temps, en abondance. Là, on est vraiment directement en lien avec la terre et ce qu'elle produit. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça a aussi du coup des contraintes, c'est qu'on, bah, le panier on choisit pas vraiment ce qu'il y a dedans, on soutient l'agriculteur, ce qu'il a souhaité planter, ce qu'il a produit, ce qu'il a donné. J'avais besoin de savoir d'où mes légumes venaient, par qui ils étaient cultivés, de la manière dont ils étaient cultivés aussi. Et donc j'ai trouvé ce moyen en allant chaque semaine acheter mon panier à un producteur à 800 mètres de chez moi. Ce que j'aime bien, c'est le côté donnant-donnant. Ça m'apporte énormément et ça apporte aussi à la personne en face de moi à qui j'apporte ma confiance dans le fait qu'il va me nourrir et que lui, en plus, n'est plus escroqué par le système capitaliste dans lequel on est. Voilà. Donc tous les deux, ça participe, l'agriculteur, le paysan et moi, on participe tous les deux à notre bien-être. Et ça, c'est quand même super. Je suis en cohérence avec moi-même quand je fais ces démarches d'aller vers une nourriture plus saine, plus simple et favoriser le fait que des petits paysans puissent s'en sortir parce qu'il faut qu'on aille vers un modèle plus simple. Voilà, donc quelque part, c'est un engagement pour dire non, stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut maintenant essayer de vraiment tourner la page, revenir à des choses plus simples et plus respectueuses dans l'environnement. Le producteur est totalement désavantagé, on lui achète son produit à un prix minime et il est revendu par la grande consommation à un prix exorbitant par rapport à ce qu'il est payé. Là, effectivement, l'argent va directement au producteur sans intermédiaire, ce qui fait que lui, il peut avoir un meilleur revenu. Au départ, ça demande peut-être un changement de façon de consommer, en fait. Comme je le disais, le fait d'aller dans une AMAP, on ne choisit pas ses légumes. Par exemple, si on n'a pas, c'est rare, mais parfois il va y avoir par exemple du chou l'hiver pendant plusieurs semaines. On décide du coup d'aller dans ce sens-là, puisque c'est effectivement ce qui est produit le maximum à cette période-là. Alors que les consommations que j'avais avant, c'était je choisis ce que j'ai envie de manger. Donc là, la tendance est inverse. On a décidé pour moi quels légumes j'allais consommer. Donc peut-être que ça, au début, c'est pas forcément évident, mais ça fait partie de l'engagement. Le fait de ne pas prendre sa voiture toutes les semaines pour aller au supermarché, mais plutôt de faire des réserves, d'avoir
plusieurs kilos chez soi disponibles de lentilles, par exemple, et de les avoir pour une durée de 6 mois. Donc c'est plutôt effectivement changer ses habitudes de consommation et changer ses habitudes alimentaires. Et le premier pas, parfois, n'est pas évident, puis après, on s'y fait assez vite. Eh bien, foncez, ça apporte que du bon en termes de santé, en termes d'échanges avec des personnes. Voilà, c'est quand même vachement plus sympa de régler son panier à quelqu'un, au producteur directement, puisqu'on va avoir un lien, plutôt qu'à la caissière du coin dans le supermarché qui est totalement déconnecté ce qui est vendu dans son magasin. Voilà, donc en termes d'échanges, de proximité avec la nature, d'économie aussi. Voilà, ça apporte que du bon. Là, ça me permet de, à la fois, ne plus aller dans les grandes surfaces et également de me dire, voilà, je me sens à nouveau connectée avec des choses très simples et qui sont la réalité. Les grandes surfaces, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui est aberrant. Et je pense que c'est un réel engagement pour aussi l'équilibre de notre planète qui ne peut plus continuer comme ça.